Personne ne sait comment il est arrivé là. Hein. Du coup, il reste une place pour le gigabreak. Donc, dépêchez-vous. Il y a une place. Ouais, une seule. 63 sur 64. Et c'est juste trop bien. Nous, ça nous permet de faire des choses de plus en plus grandes. Une place, c'est pas beaucoup. Ben ouais, sur 64, c'est pas beaucoup, une place. Hier, il en restait encore 10. Donc voilà, chez MSU, on est très content. J'ai ouvert la possibilité de se mettre sur liste d'attente, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas si jamais il n'y a plus de place, parce que très probablement, il y aura quelques désistements. Hein, on va pas se mentir. On a bien évidemment... C'est bon. Tout est OK. C'est parti, du coup. Premier game entre Alcatraz et Cookie en BO3, hein, on rappelle. Du coup... prend directement la max qui a pris 54% en quelques secondes. Hop, ouais, on rajoute que c'est du coup 3 et ouais. Et Cookie qui du coup ne se laisse pas abattre, hein. Il a pris 54% mais il en a rendu 59, donc ça va. Un petit navet, on va mettre un petit fer, un navet. On va tenter, on va pressurer le shield du Bowser et on va prendre les flammes. Donc on va prendre, on va monter à 91%. Mais on rend coup pour coup, hein. Jusque là, on va se faire grab, on va se faire side B par. Par Cookie, on revient sur le stage tout doucement. Oh, on a bien évité le F-tilt. Et on va pouvoir mettre le side B du côté de Cookie. Et par contre, cette fois-ci, ça va être le décès. Une première mort de la part de Cookie par Alcatraz. Il va prendre sa première stock. On rappelle que Bowser, ça tape fort. Que ça résiste longtemps. Et là, par contre, on a pris la fin des flammes. Ce n'est pas très grave, mais ça ne fait pas trop de pourcent. Ok, mais par contre maintenant il faut quand même vraiment commencer à trouver la stock du côté de Cookie, parce que ben si on trouve pas la stock maintenant, ça va devenir compliqué de revenir dans cette game, sachant qu'on a déjà pris 40%. Et là on a mis un fer, vous avez vu que le poser n'est pas parti si loin alors qu'il était déjà à 160% d'infligé du côté de Cookie. Et on va prendre le backer, c'est bon, c'est stock, cette stock est prise, mais on a quand même presque 64% de retard. Et du coup, est quand même relativement beau. On a mis le down tilt, on va commencer à faire les combos. On a archi la fin du combo. Ce qui fait qu'on a que 51%. Que 51%. C'est énorme. Hein. Enfin, c'est énorme. C'est une belle phase. Et on est revenu à even pourcent. On a raté le grab. Et là, par contre, on meurt là-dessus. Parce que ça a dû être un buffer ce side B. Et du coup, ben, ça fout Alcatraz dans le mal. Donc voilà. En attendant, on a mis le down B du côté de Alcatraz pour essayer de limiter la Princesse Peach, mais ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait que la Princesse Peach maintenant a une belle avance. On a tenté le backer, on a tenté le up B, c'est toujours pas passé. Et Cookie punit, hein. Il punit sévèrement chaque mauvaise action du Bowser. On a tenté le down air qui a touché sur le Sour Spot, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Et là, on a tenté de le mettre... sur le bord du stage pour essayer de l'envoyer le plus loin possible. Ça n'a pas tué. Du coup, Cookie est dans un très bon spot actuellement. Par contre, là, ça va mourir. Voilà, ça meurt. Ça meurt. Voilà. Par contre, maintenant, il y a 100% de retard du côté du Bowser. Et 100%, c'est beaucoup. Mais ça, je pense que je n'avais pas besoin de vous le dire. Vous deviez le savoir. Faites gaffe, le lien StarGG est celui des admins. Ah bah oui, mais en même temps, si t'es pas admin, tu peux pas le voir. Par contre... pourquoi quelqu'un a mis ça là? Je ne sais pas. Je vais le corriger de suite. Je m'en occupe instantanément. Là. Bah oui, ils ont mis le lien de l'event en admin. Mais ça, c'est pas malin. Ça, c'est pas malin. Je vous le mets de suite. Hein. En attendant, du coup, 73% contre 135. On arrive sur les le joli navet qui est mis. Du coup, ça... là, on remonte hein, du côté de Alcatraz. Hein. Il faut faire gaffe du côté de... et on a mis le up smash et on a pris la game du côté de Alcatraz, du coup. Let's go. C'était chaud patate, hein, du côté de Alcatraz. C'était chaud patate. Et donc, je vous remets le bon lien. En vrai, ça fait plaisir parce que du coup, on organise quand même de belles choses. Message épinglé, retiré à la fin du slot. Voilà. Voilà, du coup, je vous ai mis le bon lien cette fois-ci. Et donc, 1-0 pour Alcatraz. Vous avez le bon lien. Est-ce que, du coup, vous avez bouffé la dernière place, c'est ça? Victime de son succès? Attends.
Ah non, c'est bon. J'ai cru que vous aviez mangé la dernière place au Giga Break. Du coup. Et bonsoir Gany d'ailleurs. Est-ce que tu vas bien? Du coup, on a repris ce match. Oh bordel. J'ai tourné les yeux une seconde pour éternuer. Je vois Alcatraz qui met un beau F-Smash dans la bouche de la Peach et qui tue à 60%. C'est ok, hein, c'est Bowser, ça tue très très tôt, surtout sur les Smash. Et Cookie qui a déjà une stock de retard entière du coup. Et Alcatraz qui met l'hitbox, hein, il n'hésite pas. Il tabasse la princesse. Il n'hésite pas, la princesse lui a dit non au mariage, mais ça l'a pas laissé... Disons qu'il sait se venger quoi, hein, le Bowser. Il lui met tout, hein. Il lui met absolument tout. Ça va qu'on a trouvé une couronne, on a trouvé un goussard pour côté de Cookie. La prison, la prison, la prison. Ah ben oui, hein, là c'est bien la prison. On va mettre un backer, on a sorti un nouveau navet pour essayer de taper. On va mettre un coup de couronne, encore un coup de couronne, mais ça ne touchera pas en attendant le tonnerre. On va mettre ce backer, ça va connecter, mais vraiment c'était chaud. Hein. Hop, oh on a tenté le sniping, ça n'est pas passé. Enfin, le sniping a touché, mais la carapace du Bowser a temporisé les dégâts. On va F-throw du côté de Cookie. 200%, hein. 200% subi par le Bowser. Et c'est bon, on meurt enfin. On meurt enfin. On va. Voilà, on va trouver ce side B. 90% déjà subi par Cookie. On va mettre des flammes du côté de Alcatraz. Oh, oh. Oh non, on a raté le combo du côté de Cookie. C'est bien dommage parce que ça aurait pu lui remettre bien dans la game. On va mettre deux backers. Ouais, bien. On l'a mis en ledge trap. Comment ça va se passer? Le donner. Oh, des grabs qui passent les uns sur les autres. C'est pas grave. On continue. Le fer de la Peach. Ok, on va mettre un donner. Ça va permettre. Et du coup, on est revenu à even pour 100. Encore une fois. 112, 113. C'est even de fou. D'ailleurs, je vais pas vous mentir. Quand le tournoi va être fini, que je vais rentrer à la maison, je pense que ça va vite. Ça va lancer un stream en. Enfin, ça va lancer une rediff de stream en Big Legend. Parce que du coup, je ne vois pas l'event organisé par Red Bull avec les matchs de la Carmine. Et comme j'aime quand même beaucoup la Carmine. Carmine T1, on voit pas ça tous les jours, donc je pense que je vais mater la reprise tout à l'heure. Voilà, c'était une petite digression. En attendant, ben voilà, le up-tilt est trouvé du côté de Cookie. Le up-smash est trouvé du côté de Cookie, le up-tilt a été trouvé du côté de Alcatraz. Veuillez m'excuser. Voilà. Et on va mettre bien les pourcents. Et très vite. Ça met un maximum de pourcents. 54. Oh, on a mis le down tilt, on avait mis le coup de navet, mais ça n'a pas suivi. Malheureusement, on va mettre le donner, deux donner. On a tenté le backer, mais ça n'est pas passé. On a ressorti un navet. Pour espérer pouvoir comboter, on va faire un fer, ce qui va permettre à la Peach de revenir sur le terrain. On a mis un backer. On va remettre un coup de couronne. On est de nouveau à égalité. La stock sur cette deuxième game. Potentiellement la game de fin de winner du côté de Cookie. Hein. On le rappelle. On va mettre une back throw, on est revenu sur le terrain du côté de Alcatraz. On a tenté, ok, on a tenté le coup de let's go. C'est Cookie qui va prendre la deuxième game de ce match. Ça a été super tendu, hein, parce qu'il y avait une belle stock de retard, hein, du côté de Cookie. Alcatraz l'avait vraiment mis mal. Mais on est revenu. On est revenu du côté de Cookie, on ne s'est pas laissé abattre. Rigno, t'es prêt à te battre? Je joue contre Kojiko apparemment. Bientôt. Je sais pas où, mais t'es prêt à te battre? Prêt à la bagarre? Ok. Ok, donc troisième game. J'ai interpellé mon adversaire à venir, hein, évidemment. C'est reparti, troisième game de ce match de la culte, hein, entre Cookie et Alcatraz. Cookie qui fait l'entrée, pique, hein, qui fait l'entrée. Il va bien shielder, il va bien respecter le update out of shield de Alcatraz. Et on va avoir ce piège au navet qui va lui retomber dessus. Je vais éternuer.
Voilà. Et du coup, j'ai tourné la tête. Et cette fois-ci, c'est Cookie qui a quasiment une stock d'avance sur Alcatraz. Et ça a failli se finir de la même façon que tout à l'heure. C'est-à-dire sur un smash, la stock. Mais non. Mais non. On va... Oh. Là, par contre, on a mis le smash. C'est parti vers le haut. Et c'est une fin de première stock du côté de Alcatraz. Cookie qui est on fire hein, sur cette troisième game pour l'instant. Il arrive à tout mettre. Après, on le sait, hein, ça peut aller très vite et on peut mourir. On peut mourir et du coup, Bowser tue. Hein. Faut faire attention, Bowser est un meurtrier. Il va mettre ce donner. Hop, on va revenir du côté de Cookie. On a 70% de 84% de prix sur la deuxième stock de Alcatraz alors qu'on est toujours sur sa première stock. Vas-y, hein, tu peux venir, Bio. Ça va y avoir le Kerriam qui va me rejoindre. Et puis de toute façon, je pense que sous peu, je vais aller jouer contre Ruinho. Donc je vais te laisser la place dans pas longtemps. Du coup, mon bon Kerriam, un partout. Alcatraz a pris la première game. Cookie a pris la seconde. Et Cookie a une stock d'avance. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Une stock d'avance, nous sommes sur PS2, donc map qui est quand même assez c'est agréable. Pour, qui a une belle stock d'avance. Ouais. C'est juste magnifique. Vraiment pour le. Vraiment pour le coup, le problème aussi, on sait que dans le match-up joueur, Alcatraz joue aussi très très mental. Ouais. Dès que ça commence à aller mal, tout va mal. Ça part pas bien. Hein. Ça part pas bien. Et là, 144% de retard, il faut reset mental. Il faut reset mental. Le problème, c'est que Bowser, on peut se permettre de faire des erreurs. C'est vraiment le personnage qui te permet de faire pas mal d'erreurs sans pour autant mourir. Le problème, c'est que Cookie. Il a les setups. Il a les setups. Il ne laisse pas passer ces erreurs-là en fait. Non, il ne laisse pas passer ces bêtises. Et du coup, bah, une stock complète d'avance du côté de Cookie. Ça va être dur pour Alcatraz pour revenir. Ça va être dur, surtout que là en fait on est coincé dans ce corner pour la part de Cookie. J'ai rien dit. Vraiment, il suffit que le caster parle pour que ça s'arrête. Un petit curse Cookie. Let's go, je l'ai, on t-curse. De rien, Cookie. En tout cas, on va trouver ce gros landing fair et c'est parti. Et on joue. Ah, vous m'excusez, ce sera pour mes intenses. C'est. Kerriam qui rejoue en premier. Du coup, il va laisser à sa place à notre Flo qui n'est pas en Yoshi. Oh, et en loser. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé, mon bon Flo? Ah, coup dur. Le quick play t'a menti, ouais, en effet. N'hésite pas à prendre le casque. Hein. Oui, c'est Ragabi a une bonne Wi-Fi trainer. Comment t'as Yoshi ou Wi-Fi? Wi-Fi, ouais, il a une Wi-Fi quand même pas dégueulasse. Et donc, la prison qui est très très pas bien dans cette game. Voilà, du coup, c'est quoi? C'est la game 3 là? C'est game 3 là, c'est. Ça va être compliqué. Si pour Alcatraz, c'est possible, mais là, ça va être. C'est possible, mais ça va être dur. Hein. Complicado. Il va falloir pas prendre. Il va parfois. Il a plus le droit à l'erreur en fait, tout simplement. Hein. S'il prend un clean hit, c'est fini. Hein. C'est Bowser là, il est pas à kill pourcent Bowser là. C'est vrai, il est à 61%. Ah, bah si. Ah, bah si. Et donc c'est Cookie qui va prendre la deuxième et troisième game. Superbe. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir en stream après? Est-ce qu'on a quelque chose? Le bracket il ressemble pas à grand chose là.